Non, je recommence encore, Ça me plaît trop. Le Nigeria est en train de perdre en vitesse économique. On ne touche pas à l'AES. Dites-leur de venir rejoindre l'AES. Dites-leur de venir rejoindre l'AES. Ils vont souffrir. Merci, 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 mon chant d'introduction. Chers camarades, peuple d'Afrique, d'ici et d'ailleurs, je suis Herman le Patriote. Chers camarades, peuple d'Afrique, j'aimerais donc vous informer que celle qui se croit la plus grande puissance économique militaire en Afrique de l'Ouest, chers camarades, peuple d'Afrique, le Nigeria, ok, selon donc ce site internet, je vais vous résumer ça ici. Le Nigeria est en perte de vitesse, perte vraiment vertigineuse, ok, de sa vitesse économique. Le Naira est en train de tomber à une, hein, à une, c'est-à-dire ça tend de décroître, non, ça tend de, comment on dit ça même, ça tend de régresser, voilà, voilà le mot, ok. Le Naira régresse. Nous disons ici, chers camarades, que l'AES est une bénédiction divine. On n'est même pas encore sorti de la CEDEAO, il y a des monnaies qui descendent déjà. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand on va sortir de la CEDEAO, pardon, il dit... Allô? Allô? Camara? 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 Tu m'appelles, mais tu ne parles pas. Une familette, vous voyez, il a peur. Vous voyez, il a peur, il a coupé lui-même. Vous voyez, il a peur. Tu m'appelles, tu ne parles plus. Il faut parler. Un garçon, ça parle. Il m'appelle, je décroche, et puis il ne parle pas. Il respire, et puis il ne parle pas. Et il pense que je suis dans un musulman. C'est qu'il allait lui dire tout à l'heure, là-même. Il allait oublier. Il allait oublier. C'est dans l'hôpital, sa maman l'a accouché. Même si c'est en brousse. Quelqu'un que tu n'as pas l'habitude d'appeler. Parce que tu m'as envoyé invitation sur mon nouveau profil, j'ai accepté. Donc, pour vous, tu lances en même temps. C'est un blocage qui vient. Attendez, je vais le bloquer, puis on va avancer. Voilà. Non, mais vraiment, c'est quand même, ces rebelles-là, vraiment, ils ne savent pas quel problème. Il est étonné qu'il ait décroché. Attends, c'est pour le supplé qu'il ait décroché. Il a compris. Il a compris que lui, là, il ne faut pas même pas dire allô, il a coupé. Maudit, là. Il m'a redé. Où est son faux truc là-même? Oh, ça me perd le temps. Après, elle le bloquer. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades? On ne joue pas avec l'AES. On ne joue pas avec l'AES. J'ai dit ici que ce qu'on voit là, ça, c'est la prémisse de ce qui va se passer. Parce que ça, c'est le Naira, mais le franc CFA. Parce que Nigeria, ils ont leur propre monnaie. On ne sait pas pourquoi, exactement pourquoi. Je vous lis ce qui est là, le résumé qui est là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le jour que nous, l'AES, on va sortir du franc CFA, là, vous allez voir. Vous allez voir comment le franc CFA sera divisé. Mais on veut d'abord devenir nombreux, on veut devenir beaucoup dans le groupe. Oui, oui, on veut que le Sénégal rentre dans le groupe. Et que quelques pays rentrent dans le groupe. Mais même si les pays ne rentrent pas, les trois pays-là seulement vont créer leur propre monnaie. Parce que la monnaie se définit aussi par les richesses, hein, des pays. La monnaie se définit par le nombre d'habitants de chaque des pays. C'est comme ça qu'on définit la valeur. Nous sommes déjà à plus de 70 millions. On dit le son n'est pas bon. Est-ce que le son n'est pas bon? C'est le gars qui m'a appelé là. Peut-être c'est lui qui a fait ça. Voilà. Je vais désactiver Messenger sur mon profil là. Voilà. J'ai un nouveau Facebook que j'ai créé là. Donc quand les gens voient vraiment le patron, les gens m'envoient invitation. Et généralement, je ne regarde pas. J'accepte seulement pour faire tout. Voilà. Donc, il a simplement lancé. Et il ne peut pas parler. Il respire fou, André, cher bandit.
faut parler. Et puis tu vas m'expliquer pourquoi tu m'appelles, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, et puis tu m'appelles, il ne peut pas parler. Vous voyez, sûrement il est dans le direct, ou même peut-être qu'il voit le direct, donc voilà. C'est ça le problème. Mais je fais le direct avec ma petite page. Voilà. Donc abonnez-vous à cette page. Hein. Voilà. Soyez familier à cette page si vous voulez me suivre régulièrement. On va lire maintenant. Nigeria. Le Naira a atteint un plus bas record et une chute et les actions chutent avec le Naira. Donc les actions sur le plan international, là, les actions chutent, donc la monnaie perd sa valeur, c'est ce qu'on veut dire ici. Le Naira est tombé à un plus bas record sur les marchés officiels et non officiels à partir du lundi. Tandis que les actions ont enregistré leur plus forte baisse sur une journée depuis plus d'un an, les investisseurs ayant vendu leurs actifs locaux. Donc, comme les actions avec le Naira sont en train de baisser, tous ceux qui sont les investisseurs, tous ceux qui sont greffés au Naira là, ils ont vendu leurs actions. Voilà, parce qu'on gagnerait avec Naira. Naira est en train de perdre sa valeur, donc ils ont vendu leurs actions. Donc, la régression est vertigineuse. C'est-à-dire, le Naira est en train de plonger maintenant même, non? Je vais lire un peu encore. La monnaie est tombée à 1712 naira pour 1 dollar. Ça veut dire même là, ça dit c'est tombé. Même franc CFA, c'est pas comme ça. Franc CFA là, 1 dollar c'est 600 et quelques, je crois bien. 1 dollar 500, non? 500 ça vacille. Entre 500 et 600 francs CFA. 1 dollar. Mais regarde moi, le naira est tombé. 1712 naira, ça donne un seul dollar. Actuellement, je vous parle. Tellement ils sont tombés comme une patate. Tellement le naira est tombé, chers camarades. Ils vont lire. Je vais faire notre pas là, vous allez voir. On va sortir du franc CFA là. Le Niger, le Burkina, le Mali, ils vont sortir comme ça là. C'est 70 millions qui sortent. 70 millions d'utilisateurs qui refuseront, qui ne vont plus utiliser cet argent-là de manière officielle. Ils vont utiliser leur propre monnaie. Ça va casser. Nyawa. On continue la lecture, lecturale. La monnaie est tombée à 1712 naira, c'est-à-dire 1712 naira pour un seul dollar. C'est-à-dire, moi-même, je vais aller devenir boss là-bas. Mais même Français n'est pas tombé comme ça vis-à-vis du dollar. Du dollar. Voilà. Attends, je vais regarder en direct. Combien de 1 dollar, ça fait combien en francs CFA? Je vais mettre dollar américain en francs. Ça fait 610, là où je vous parle. 1 dollar américain donne 610. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont tombés comme une patate. Regarde un peu. Un naira, ça fait 0,00072. Wallahi bilani, ils sont tombés. Regardez bien. Regardez. C'est-à-dire, ils sont même pas à côté de 1. Ils ne sont même pas à côté du chiffre 1. 1 dollar, là, ça fait 0,00072 dollars. Un naira, pardon. Un naira, ça fait 0,00062 dollars. On peut tomber comme ça, Adama. Donc on investit, ça veut dire 1 dollar, ça fait 1712 naira pour avoir un seul dollar. Donc un milliardaire du Nigérian, quand il vient ici, il devient millionnaire. Un millionnaire, quand il vient ici, il devient millionnaire. Vous n'avez rien compris encore. La vie va vous taguer ici. Voilà. La vie va vous taguer. Vous allez prendre drap ici. Vos mots dia. Vos mots dia. Chers camarades, mettez le cœur. Je ne vois pas le cœur. Ah, c'est sur la petite page. OK. Mettez le cœur, chers camarades. Attends, voici la grande page. Si les gens mettent le cœur là-bas. Mettez le cœur, chers camarades. Partagez-moi cette vidéo dans le groupe AES. Ils sont moins à nous aujourd'hui. Ah, je ne l'ai pas synchronisé. Hein. Ah, c'est pourquoi depuis on est à 161. Ouais, je n'ai pas synchronisé. Donc le direct passe seulement ici. OK, il n'y a pas de souci. 161 pour une petite page, c'est pas mauvais. Mettez le cœur, vous qui êtes là. Ils sont morts dans le film, chers camarades. Ce combat-là, il dit Dieu est dedans. Dieu est dedans. Oh, il dit Dieu est dans notre affaire, chers camarades. Ils vont prendre drap. Je continue la lecture. C'est la lecture qui est intéressante. La monnaie est tombée à 1712 naira pour un seul dollar lors des dernières transactions sur le marché officiel et à peu près au même niveau sur le marché non officiel après avoir prolongé les pertes. Donc,
les acteurs à cette monnaie-là. Oh, on dit le son n'est pas bon. Oh, c'est le gars qui m'a appelé là qui a fait ça. Le maudit de camarade qui m'a appelé là, c'est lui qui a fait ça. Le bas billet de camarade qui m'a appelé là, c'est lui qui a fait ça. Quand on appelle là, c'est comme, je sais un peu, je vois un peu l'effet dont vous parlez là. Je vois l'effet parce que l'appel coupe le son du direct. Tu vois, non? Donc, attends, moi, j'ai écouté le direct pour voir. Oh, c'est le frère là qui a fait ça, le gars là, le salaud là. Oui, tu as vu? J'essaie de quoi vous parler, le son n'est pas bon. Tu as vu, André, je parle d'embouteille. C'est lui qui a fait ça, c'est son appel là qui a fait. Donc, hein, souffrons un peu comme ça, souffrons, souffrons pour aujourd'hui. Après, je vais désactiver le Messenger, malheureusement. À cause de ça, je n'aime pas mettre WhatsApp, mon numéro sur Internet. Parce que l'homme, là, il est mal éduqué. C'est-à-dire, moi, même si je suis ami avec vos stars, là, par exemple, Marco Soumbé, quelqu'un comme ça, mais je ne peux pas l'appeler parce que j'ai son Facebook, mon Messenger, on met son numéro. Je vais l'écrire d'abord pour dire bonjour, je m'appelle Camara, vraiment, voilà, comment, voilà, est-ce qu'on peut s'appeler? Maintenant, moi, quand je finis le direct, je lis, si je veux, si tu me plais, je dis oui, tu peux m'appeler tel jour à telle heure. C'est ça le respect, la responsabilité. Vous n'êtes pas responsable. Vous prenez tout le monde comme vos gardes de cour commune. Tu me connais où et puis tu lances un appel. Si j'avais laissé mon téléphone sur sonnerie et que je suis en train de faire une demande d'emploi, toi, venir, mon téléphone va sonner comme ça dans le bureau des gens. Ou bien je suis à l'école. C'est ça le vrai point. Et maintenant, tu attends de gâter tout notre direct. J'ai même pas envie de couper pour relancer. Tout le direct, les gens disent que le son n'est pas bon. Parce que le salopard, le merconnier, il a appelé dans mon direct. Oh. Attendez, je vais l'avoir. Attendez, donnez-moi un instant. Je ne l'ai pas encore bloqué, mais je vais le bloquer après, ça m'énerve même. Attends, il a appelé avec quel compte même? Je regarde ici, je ne vois même pas son compte. Il a appelé avec quel messenger même? Je ne sais pas. C'est avec quoi il a appelé au fait? Attends, on voit ici là. Donnez-moi un instant. Hein. Je ne le retrouve pas là. Non, il n'a pas. Il a... Non, non, non. Non, je sais pas. Mais il a utilisé quoi pour appeler au fait? Je ne sais pas. Oh, vraiment, ça m'énerve. Désolé, j'ai fait le direct comme ça. Hein. Oh, j'ai fait le direct. Mais je n'ai pas envie de couper pour relancer. Donc, on continue le direct. Je reprends la phrase. La monnaie est tombée à 1712 naira par un pour 1 dollar lors des dernières transactions. Sur le marché officiel, c'est-à-dire officiellement, c'est-à-dire avec le marché officiel, c'est-à-dire le marché économique, c'est-à-dire les échanges internationaux. Okay? Sur le marché officiel et même sur le marché non officiel, après avoir prolongé les pertes. Donc, tellement il y a eu beaucoup de personnes qui ne sont plus actions, acteurs, okay? Financièrement, c'est-à-dire les gens ont enlevé les actions, les actions sur cette monnaie-là, elle est tombée. Le Nigeria est confronté à une pénurie de dollars paralysante qui a poussé sa monnaie à un niveau record de baisse, bien que le gouverneur de la Banque centrale, M. Cardoso, ait déclaré que la liquidité en devise s'améliorait. La dernière baisse des marchés monétaires et boursiers intervient après que des données ont montré le jeudi passé que le taux d'inflation du pays s'était encore accéléré en janvier 2024, atteignant près de 30% en termes annuels, le taux d'inflation, 30% en termes annuels, sous l'effet de la flambée des coûts alimentaires, etc., etc. Donc, chers camarades, c'est pas lui-là qui dit qu'il voulait bombarder les pays. Voilà. Maintenant, son pays est dans tous les problèmes. Il a qu'à régler ça. Son pays est dans tous les problèmes. Qu'il règle cela. Voilà. C'est ça le problème. Qu'il règle cela. Vraiment, je vois toujours les commentaires, le son n'est pas bon, le son n'est pas bon, le son n'est pas bon. Je suis vraiment désolé, ça me permet quand même de pousser à couper le direct. Mais si l'information est passée, c'est l'essentiel pour moi. Mais après, je vais enlever le Messenger. Voilà. Messenger sur mon compte privé, là, je vais désactiver ça. Il y a une manière pour faire pour enlever. Comme ça, personne ne peut m'envoyer, même message, même, ils ne vont plus m'envoyer ça. Voilà. Tu veux m'envoyer un message, tu viens sur ma page, tu m'envoies un mail, c'est tout. Voilà, parce que l'homme noir, il est très mal éduqué, malheureusement. Voilà, il est mal éduqué. On ne peut pas appeler quelqu'un comme ça de manière spontanée, quelqu'un que tu ne connais pas, avec qui tu n'as jamais parlé.
être très mal éduqué. Et moi, je déteste cela. Vous voyez? Donc, c'est son appel là qui a fait que le son n'est pas bon. Voilà, c'est son appel là qui a fait. Mais attendez, donnez-moi un instant. Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer quelque chose. Vous voyez s'il y a une différence. Avant de couper le direct, je vais voir s'il y a une différence parce que je dois faire un autre direct. Mais il faut que je me rende compte. Je vais voir s'il y a une différence avec ce micro. Vous allez me dire là-bas. Alors, est-ce que différence, chers camarades? Voilà, dites-moi maintenant comment le son se comporte, chers camarades. On est à quelle minute? 16e minute, ok. Dites-moi, est-ce que le son est bon? Comment se comporte 16e minute, 16e minute. C'est toujours la même chose, non? Dites-moi, est-ce que le son est bon? C'est toujours la même chose là. Attends, il y a trop mis écho, hein. Voilà, c'est bon, non? On dirait le son est bon, hein. Attends, je vais couper ici là. Dites-moi maintenant si c'est bon. J'ai branché mon micro là. Dites-moi si c'est bon, chers camarades peuple d'Afrique. Dites-moi si c'est bon. Est-ce que le son est mieux, chers camarades? Le salopard a appelé et puis ça a dérangé mon direct. C'est pas grave, je m'en excuse énormément, chers camarades, je m'en excuse. Alors dites-moi, est-ce que le son est bon maintenant comme ça, chers camarades peuple d'Afrique? C'est bon, non? Voilà, on me dit c'est bon, ok. Voilà, donc chers camarades, c'est ça. C'est ça. Non, j'ai enlevé le con, on dit à écho. J'ai enlevé le con, non? C'est ça, chers camarades. Voilà. Le Nigeria est en train de tomber financièrement. Qui est un dollar? Ça dit, la monnaie, le Naira était vraiment élevé avant. Le Naira était élevé avant, chers camarades. Aujourd'hui, là, le Naira, là, avec le franc CFA, même là, c'est divisé par deux. Par un franc CFA, là, ça fait 6. Un dollar, ça donne 650. Bon, actuellement, c'est 610. 610 francs CFA pour un dollar. Et puis, pour le même dollar, on est à 1712 Naira. Voilà. Donc, chers camarades, le Nigeria est en train de perdre financièrement. Ah, c'est les finances. Ce sont les finances qui tiennent les pays. Ce sont des finances qui tiennent les pays. C'est ça. Ce sont les finances qui tiennent le pays. Donc, ça veut dire d'ici quelques années, s'ils ne font pas attention, là, le Naira, là, ça, on va partir à 3000 pour un dollar. 3000 Naira, ils vont prendre ici. Parce que les gens vont fuir les monnaies, là. Voilà, les acteurs vont fuir les monnaies, là. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Voilà, donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, ok? Je crois très bien que c'est l'information qui est importante. Si elle est passée, je suis vraiment désolé pour ce désagrément avec le micro, etc., etc. Voilà, je reviens vers vous pour faire encore un autre direct très magnifique, très important, j'allais dire. Très important, j'allais dire, chers camarades. Donc, prenez cette nouvelle, je ne sais pas ceux qui vont regarder en rediffusion, est-ce que le son va leur faire plaisir, mais je suis vraiment désolé pour le son, voilà, donc ce qui va me pousser à pouvoir couper ce direct. Merci beaucoup chers camarades, vous êtes 189 personnes en direct sur la petite page Facebook, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, et on se prend dans quelques temps pour un autre direct, je vous remercie chers camarades, merci.